La Guinée sans gouvernement. Il a donc été dissous par le président de la transition hier. Dans le décret que Mamadi Doumbouya a signé, il est précisé que les directeurs de cabinet et les secrétaires généraux se chargent désormais des affaires courantes. Les détails depuis Conakry avec Mathias Reynal. C'est Amara Kamara qui a été chargée de l'annonce. Face caméra, le regard fixe, le porte-parole de la présidence, beret vert vissé sur le crâne. Lit le décret pris par le chef de la junte, Mamadi Doumbouya. Le premier ministre Bernard Gomou et son équipe perdent leurs attributions. Ce sont les directeurs de cabinet, les secrétaires généraux et leurs adjoints qui occupent désormais leurs fonctions jusqu'à la formation d'une nouvelle équipe. Des intérimaires qui doivent se rendre dans les prochaines heures au secrétariat général de la présidence pour une séance de travail précise un communiqué du CNRD. Dans ce même document, on apprend qu'une série de mesures conservatoires très strictes ont été prises par la junte à l'encontre. Contre des anciens ministres. Les membres de l'équipe de Goumou se voient retirer leur véhicule de fonction. Le document annonce la démobilisation de leur garde du corps, mais surtout le gel de leurs comptes bancaires. Les ex-ministres doivent également restituer tous leurs documents de voyage au secrétariat général de la présidence. Pour rappel, le gouvernement guinéen a mis en place après le coup d'État du 5 septembre 2021 et la chute d'Alpha Condé avait connu peu de remaniements jusqu'ici. Mathias Rénal, Conakry, RFI.